14. Est-ce que tu sais où il est? Mais... Là. Ouais, vas-y. Mais j'ai mal au bout des doigts. Ah oui. Tu te souviens? Ah non, j'oublie. Il est où le bout? En bas. Voilà. Vas-y. À ton Noé, s'il te plaît. Et c'est lui. Attends, tu veux que je t'aide? Ah oui. Ça va faire mal. Oh, je crois qu'il s'appelle Carapuce, lui, non? Je crois qu'il s'appelle Carapuce, mais je suis pas sûre, vraiment. Mais ça ressemble à Salamèche. À Salamèche? Non, Salamèche, tu l'as déjà eu. Il a une longue queue. Alors lui, il lui ressemble peut-être, mais je crois que c'est Carapuce. Mais je suis pas sûre, on va demander aux filles après. Alors, toi, alors le 14. Attends, c'est pas celui-là, ça c'est le 24. Ce sera le dernier. Le 14, il est... Enlève ta tête, s'il te plaît, chou. Là. Là, attends. Le 24, c'est le dernier. Est-ce que c'est le dernier jour avant Noël? Vas-y. Tire. Tire-toi. C'est bien. Maman, des loups. Ouais, c'est gentil. Des loups? Et c'est une côte-côte encore. Ouais, on dirait une côte-côte avec un petit chapeau de Noël. Arrêtez. Les garçons, lâchez ça. Mignon, c'est juste une tête. Juste une tête. Ils sont vraiment tous. Coucou Noël. Sa tête de Père Noël. Ben oui, avec sa hotte de cadeau. Ouais. Tu vas le ranger? Ou tu veux jouer avec? Tu ranges le calendrier? Non. Bah, comment ça non? Tu peux donner son manteau à Maddy aussi, s'il te plaît? Maddy, va à l'entrée, mets ton manteau, s'il te plaît. Il est ici, ton manteau, Noé. Noé, il est là, le tien. Noé, ton manteau, il est dans la cuisine. Oh, il est gentil. Bon alors? C'est bon, j'arrive. C'est bon. Non, un autre. Un autre quoi? Il y a un lèvre. Et bah tant mieux. Ouais. T'attends à quoi? C'est un lèvre presque de la même couleur. C'est bon? Il est violet celui-ci. L'autre était rose. Et l'autre il était rose. Ouais. C'est Cendrillon? Non, c'est oui. Quel? C'est Cendrillon. Tu connais même pas les princesses? Bah non, je connais pas les princesses. Alors, elle est où elle? Vas-y, on est le 14. T'as vu qu'est-ce que j'arrive à faire? Un autre papillon. Encore? Il est moins joli. Ouais. Il est quand même beau. Tu les as pas mis sur tes bracelets et tes colliers encore? Non. Tu les mets? Plus, tu peux en mettre plusieurs. Je préfère le maquillage. Je préfère. Ouais. Tu as hâte d'arriver là. Ça et ça. Ça va tomber d'ailleurs. Allez, on y va? Tout le monde est prêt? Ouais. Maman, est-ce que tu peux prendre de l'eau? Oui, vas-y. Alors, ce matin, dans le calendrier Super Mario, il y avait un œuf de Yoshi. Un petit œuf blanc et vert. Tout mignon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on ouvre le calendrier. Donc, on est le 14. Alors, le 14, il est où? Ah, je le vois. Moi, c'est le 14. Oui, c'est le 14. Ouvrir. Oui, je vais l'ouvrir. Les sensations énergisantes du parfum sucré de baie de canneberge. Je pense que ça va être un gel douche. Et là, une pièce. Je pense, mais je suis pas sûre. Et ouais. Baie délicieuse, bain douche. On va sentir. Ah, ça sent bon ça. Oui. Ouais, ils sentent très très bon. Ça me rappelle de très anciens
J'ai le douche Yves Rocher, mais vraiment très ancien, hein, plusieurs années. Ouais, très très ancien. Il sent très très bon. Au jus de cranberry, non, de berries. Berries quoi? Ah oui, c'est les baies. Ouais, il sent très très bon. Oui. Oui, mais on n'ouvre pas tout aujourd'hui. C'est une à la fois, comme le tien. Allez, je le remets tout en bas. Faut que j'enlève l'autre qui s'est cassé la figure. Hop là. Et voilà. Et on referme. Attends, attends, tu vas tout casser toi. Attends. Voilà. On ferme l'autre côté. Voilà. Merci monsieur. Bon, je reprends dans ma voiture parce que j'ai de l'avance pour récupérer les enfants. Donc, vu qu'il fait pas un super temps, autant que je reste un petit peu dans la voiture parce que j'ai un quart d'heure à attendre. Je vous avais parlé de la semaine dernière des cadeaux pour les enfants et je vous avais proposé de faire la même vidéo mais en idée cadeau pour plutôt les adultes. Donc puisque j'ai un peu de temps, bah, j'en profite pour faire ça. Moi j'ai pas beaucoup de cadeaux à faire pour les adultes, mais j'ai quand même quelques idées. Après, cette année je me suis vraiment concentrée sur l'effet cocooning. J'ai trouvé que vu qu'on doit faire des économies de chauffage et tout ça, que l'ambiance est assez morose, je me suis dit que ça serait sympa de recevoir, enfin je me suis mis à la place des gens, je me dis que ça serait sympa de recevoir des choses plutôt sympas dans le style un bonbonnet en laine, une casquette en laine, recevoir des bougies, soit faites maison, soit achetées, hein, pourquoi pas. Dans le même style que les bougies, vous avez vu comment je faisais. On peut faire les fondants parfumés de la même manière avec juste de la cire et soit du colorant alimentaire et le parfum de votre choix. Vous le mettez dans des petits moules et après vous le mettez sur les... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un petit... Enfin, j'en ai à la maison, j'en utilise un. On met la bougie en dessous et on a un truc par-dessus sur lequel on met le fondant de cire et du coup ça fait fondre la cire et ça diffuse le parfum. Donc ça, pareil, on peut l'acheter ou le faire soi-même. C'est très simple à faire. On peut offrir des livres. Il y en a des quantités pas possibles. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aller en librairie. Ils vous conseilleront toujours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut faire? On peut offrir un parfum. Mais ça, je trouve que c'est plus délicat parce que on n'aime pas tous les mêmes parfums. Les parfums ne réagissent pas pareil de la même manière sur une peau ou sur une autre. Mais si vous connaissez le parfum préféré d'une personne, bah, c'est vrai que ça peut être un joli cadeau. On peut offrir un plaid aussi. Je vous ai montré chez Jiffy, ils ont des plaids cap qu'on attache devant. Donc ça, je trouve que c'est une super idée aussi. Des chaussons, des jolies chaussettes fourrées, des grosses chaussettes antidérapantes. Ça peut être franchement sympa aussi. On peut offrir plein de petits trucs comme ça. Il y a les box aussi. Que ce soit les box lecture, les box beauté, vous pouvez offrir pour juste un mois ou trois mois. Donc ça permet de, même pour un petit budget, bah, de faire un cadeau sympa. Et donc voilà. Et aussi, si comme moi vous avez des enfants et que vous n'avez pas forcément trop quoi offrir aux grands-parents parce qu'ils ont déjà plein de choses, que ce soit en décoration, des choses comme ça. Moi ce que je fais ces dernières années pour mon père, c'est un cadre... une photo de mes enfants, une photo groupée que je fais imprimer sur une toile. Je crois que ça doit être du 30/20, donc ça fait pas très grand, mais c'est pas petit non plus. Et bah, ça lui fait un beau souvenir. Et en général, avec ça, je lui fais un album photo de quelques photos sur l'année. Donc là, sur l'année 2022, j'ai sélectionné, je crois, 25 photos. Et je lui ai fait un livre photo avec, je crois que c'était avec Photobox que j'ai utilisé cette année. Avant, c'était Free Prints. Et j'arrivais plus à me reconnecter à mon compte, ça faisait trop longtemps. Du coup, je suis allée sur Photobox. Et donc, cette année, je l'ai fait avec celui-ci. Et vous pouvez le faire livrer à la personne de votre choix. Donc, là, je trouve que c'est un beau cadeau. En plus, il n'y a même pas besoin de l'encadrer. Et après, parce qu'il est déjà sous forme de tableau, c'est déjà une toile. Donc je trouve ça sympa. Et c'est apprécié comme cadeau. Vous pouvez le faire aussi des magnettes avec les photos de vos enfants, des petites choses comme ça. Donc voilà. Voilà mes petites idées pour cette année, pour les cadeaux pour les adultes. Bon, je vais attendre encore 2-3 minutes et après je vais descendre aller chercher les enfants. Et après, il faut que j'aille à Intermarché récupérer mon mini drive pour avoir de quoi manger ce midi et ce soir.
J'avais pas envie de me prendre la tête pour tout de suite pour les grosses courses. Donc là, c'est vraiment des toutes petites courses pour dépanner pour aujourd'hui. À midi, on va manger des tartines. Tartines de rillettes de thon et rillettes de saumon. Ça, tout le monde adore, franchement. Et c'est vrai que le mercredi midi, vu que c'est la course, c'est quand même hyper, hyper pratique. Bon, je vous laisse et je vous reprendrai sûrement un petit peu plus tard dans la journée.